suis votre frère Jean-Sylvain Kuala. Temple pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Seigneur et au travers duquel Dieu nous utilise dans le ministère des chants. Et nous avons mis sur le marché donc cet album Trop près de la frontière, dont les clips sont désormais sur le marché que vous êtes en train de découvrir. Je vous demande de consommer cela sans modération parce que cela ne vous fera aucun mal. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement sans contrainte de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement sans contrainte de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté: si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté: si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? Ces tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, toutes ces guerres,
ces famines ici-bas. Cela cause des victimes innocentes, mais dans le cœur de ton Dieu, n'y a-t-il pas de pitié? Alors moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que Jésus est vivant. Alors moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que mon Dieu est vivant. Car au jour de sa chair, il a prédit tout cela par sa parole infaillible qui ne passe jamais. Car au jour de sa chair, il a prédit tout cela par sa parole infaillible qui ne passe jamais. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Moi je sais qu'il est vivant. Et oui, Jésus est vivant. Depuis lors, il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi, je sais qu'il est vivant. Et depuis lors, il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi, je sais qu'il est vivant. Et depuis lors, il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi, je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant, c'est lui le Dieu de Branham. Jésus est vivant, le Dieu des apôtres. Jésus est vivant, le Dieu des prophètes. Jésus est vivant, le Dieu de l'Isgalibali. Jésus est vivant, le Dieu de Moïse Kumbi. Jésus est vivant. Mon roi est vivant. Jésus est vivant. Moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant.